Bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Mepé, gardien de la tradition, que le créateur des mains de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé doit faire nos vies. Ici Mepé, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous massivement. Messieurs, dames, bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Prenez votre petit carnet et écrivez. Du côté homme, côté femme, nous sommes dans une situation qu'il faut que tout le monde puisse s'adapter. Parce que j'ai dit, c'est une nouvelle ordre mondiale qui arrive et personne ne peut dire qu'elle ne voit pas ce qui se passe dans ce monde. Donc nous sommes à l'ère dans cette ère-là, nouvelle ordre mondiale. Il faut s'adapter. En même temps, c'est mieux. Sinon, ceux qui ne veulent pas s'adapter, eh bien après, il sera trop tard. Parce que le monde... Un autre monde est en train de naître et nul ne peut arrêter ce changement. À part le Créateur, et le Créateur, lui, il nous regarde seulement parce qu'il nous a donné notre liberté. Donc c'est nous-mêmes, l'homme, qui avons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Parce que le Créateur n'est pas injuste. Il nous regarde seulement. Il nous a tout donné. La paix, il nous a donné la paix. L'homme cherche la guerre. La tranquillité, il nous a donné. L'homme cherche le désordre. La santé nous a donné. L'homme cherche la maladie. Le calme nous a donné. L'homme cherche l'agitation. L'harmonie nous a donné. L'homme cherche à mettre le trouble partout. Et c'est pour citer plein d'autres que vous connaissez déjà. Donc préparez-vous à l'impact. L'impact, je dis bien, je pèse le mot, l'impact des événements à venir qui vont s'amplifier. Je vous ai dit 2002, ça va être dur. Je pense que je l'ai prédit déjà depuis au moins un an ou deux ans. Ça va être très dur, mais il y aura certains impacts de certaines situations qui vont se produire. Ça va devenir de plus en plus dur. Et je vous ai bien dit, faites attention. La pandémie, le virus est toujours là. Vous voyez, je vous ai beau vous prévenir. Je vous ai dit, on ne peut pas quitter dans sa part avant 2030. Moi, ce que je dis, c'est que je réitère ce que je dis. Vous pouvez prendre toutes mes vidéos, vous allez entendre, ce sont les mêmes choses que j'ai dit il y a un an, c'est la même chose que je répète. Il y a deux ans, même chose que je répète ici. Et vous le voyez vous-même. Parce que nous irons de situations, ça va tellement s'aggraver. Je ne suis pas négatif. Hein. Je suis mystique, c'est que je vois, je vous dis ce que je vois. Ce n'est pas des choses que je viens dire comme ça dans la bouche. Je dis ce que je vois, puisque moi, c'est voir, puisque moi, je vis aussi sur cette terre. Moi aussi, l'avenir. Qu'est-ce qui vient? Et comment l'éviter? S'il y a possibilité de l'éviter. Donc, je ne peux que partager cela avec vous pour vous dire que l'année 2002, c'est le début de notre enfer. À tous les points, sous tous les points de vue, je pense que tout ce que je vous ai déjà annoncé, vous le voyez vous-même. Vous vivez sous terre comme moi-même. Vous le voyez. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que l'homme a son plan. Ceux qui sont derrière tout ça, ils ont leur plan et ils vont jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et les virus, je vous l'avais prévu. Je vous avais dit que les virus ne sont pas finis. C'est des virus en virus que vous allez entendre parler. Et encore pire dans pire qui vient. Ça, c'est la projection que j'ai vue dans l'avenir, que je partage avec vous. C'est pour ça que chaque fois que je vous dis... Je vous ai même dit, n'achetez pas de maison en ce moment. Je pense que je vous dis tout. Bon, maintenant, si vous voulez tomber dedans, vous tombez dedans avec des conséquences, quand vos yeux pour pleurer. Je vous ai dit, pour l'instant, n'investissez sur aucune maison. Attendez un peu. Je vous dis à quel moment que vous pouvez investir. Mais pour l'instant, bon, maintenant, vous savez, je ne peux que suggérer. Maintenant, vous êtes... C'est vous qui avez le dernier mot. Mais j'ai un groupe de personnes, quand je leur parle, je sais qu'ils écoutent. Parce que Maître P, je vous ai toujours dit, moi je ne travaille pas sur la quantité, mais la qualité. C'est important d'écouter ce que je dis, de prendre ça au sérieux. Vous allez investir sur une maison, et quand ça va péter dans ce coin-là, vous allez faire comment? Ben oui, à ce moment-là, vous allez dire, oui, si je savais, si je savais. Excusez-moi l'expression, c'est le dernier mot de l'imbécile, si je savais.
Parce que la personne est prévenue, elle va tomber dedans. À propos de dire, mais oui, si je savais, vous le savez. Je vous le dis, attendez. Mais vous-même, vous n'êtes pas sur la terre pour voir ce qui se passe. Des prix qui forment partout. Des situations instables. Une famille pas possible qui est en train de se préparer et qui est déjà là. Mais qui est en train de s'aggraver un peu. D'ici 2-3 mois, vous-même, vous allez attraper votre tête pour dire non, c'est trop. C'est ça. Peut-être que vous avez dit, oui, mais pays, vous me dites tout ça, c'est quoi la solution? La solution, c'est que, un, ce que vous êtes déjà en train de faire dans votre vie, sécurisez tout ce que vous êtes en train de faire. Ne prenez aucun risque. Faites des choses utiles. Ne faites rien d'inutile. Donc, quand je dis rien d'inutile, c'est bon, des petites choses, peut-être des petits loisirs, peut-être avant, comme des gens qui partaient tout le temps en vacances. Ça, c'est inutile. Moi, je travaille depuis plus de 35 ans, je n'ai jamais pris de vacances. Est-ce que je suis vivant, non? Donc, il faut arrêter tout ça là. Vous partez tout le temps en vacances. Voyez, ça, c'est, regardez-moi les comportements comme ça. Est-ce que vous êtes obligé de partir tout le temps en vacances? Mais quand vous sortez du travail, vous avez des moments libres, non? Vous n'êtes pas comme Maître Pé qui travaille H24. Et puis, certaines personnes, peut-être comme moi aussi, qui peut-être pas fait, qui fait la même profession, mais qui travaille dur. Mais nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Donc, il y a des gens qui sortent du travail. Bon, mais après le travail, la personne peut avoir du plaisir au moment pour gérer sa vie, même si c'est un petit film que vous avez regardé, même si vous avez fait peu importe la chose, mais il y a plusieurs moyens pour avoir le loisir. Mais chaque année, vous êtes en train de partir en vacances, vous partez en vacances, vous partez en vacances, vous partez en vacances. Restez au moins 5 ans sans partir en vacances et l'argent des vacances, mettez ça de côté pour voir ce que ça fait. Les gens pleurent, ils n'ont pas d'argent. Mais c'est normal. Vous êtes toujours en vacances. Vous ne savez pas que quand vous partez en vacances, c'est l'argent, ça demande. Et cet argent, quand c'est parti, ça ne revient pas. Une fois que c'est parti, ça ne revient pas. Donc cette histoire de vacances, il faut ralentir. Surtout à l'heure que je vous ai dit. Tout ce qui n'est pas utile, ralentissez dessus. Si vous partez dans un pays, c'est pour quelque chose, ça doit vous rapporter quelque chose de bien spécifique. Sinon, ce n'est pas la peine de partir dans un pays. On ne part pas pour partir. On ne voyage plus pour voyager. Pour l'instant, c'est ça qui est là. Nous sommes en train de nouvelle ordre mondiale. C'est pas, on ne fait plus les choses comme avant. On ne part plus dans un pays pour partir. Il ne faut plus se déplacer pour se déplacer. Il faut se déplacer pour des choses concrètes, des choses importantes qui peuvent vous amener à aller de l'avant. Ne plus prendre et faire des choses inutiles dans cette vie. Ça ne rapporte rien. Faites des choses qui vont vous rapporter quelque chose. Parce que la vie, c'est un grand intérêt mondial qui est là. Chacun cherche son intérêt partout. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Donc on n'a qu'à pas se leurrer la face ni se mentir ici. La vie, c'est un gros centre d'intérêt. Même si chacun ne fonctionne pas comme ça, mais c'est comme ça le monde est devenu. Nous sommes dans un monde où rempli d'hypocrisie et que beaucoup de personnes cherchent leur intérêt. Donc, quand vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire, sachez comment marcher, sachez comment prendre la bonne direction. Avoir une sagesse en vous pour vous dire, bon, c'est vrai ce que M. P. dit. Je ne veux pas m'embarquer dans tout parce que nous sommes dans un monde incertain. Je vais faire des choses qui vont être très utiles pour moi avec beaucoup de sécurité. Au cas où. Ah ben oui, au cas où, là, il faut le mettre devant. Parce que beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui sont peut-être qui touchent un minimum dans certains pays, un minimum d'argent que l'État leur donne par mois. Est-ce qu'on peut survivre avec ça? En plus, quand ils touchent cet argent, mais à la fin du mois, l'argent est déjà fini. Mais si un coup dur, vous allez faire comment? Même je dis, peu importe le petit salaire que vous touchez, vous pouvez vous en sortir avec. Parce que nos parents ont fait comment? Pour nous nourrir. Ils n'avaient pas des masses d'argent. Ils avaient des tout petits salaires qui sont moins élevés que les salaires de maintenant. Et pourtant, nous sommes là, ils nous ont fait grandir. Donc pourquoi maintenant, il y a beaucoup plus de salaires et les gens n'arrivent pas à s'en sortir? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Parce que les gens veulent tout. Mais on ne peut pas tout avoir comme ça dans la vie. On peut tout avoir, mais il faut s'organiser. Même si vous gagnez peu,
Mais dans le peu là, il y a possibilité de faire des économies. Donc, l'ordre qui est là, sachez, avec les informations que je viens de vous donner, organiser votre vie. Sachez organiser votre vie là. Pour, par exemple, les gens sont dans des maisons, ils achètent une seule bouteille de gaz. Mais je suis désolé, alors que tu as fait deux bouteilles de gaz chez vous. Si vous avez l'habitude d'acheter un kilo de riz, achetez un sac de 25 kilos. Parce que je vous ai dit, souvenez-vous, hein, la parole s'en va, mais que tu restes. L'impact, c'est à ce moment-là que vous allez dire, mais puis nous avons trop aimé. Nous sommes tombés dedans et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Évitons ça. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que je dis, restons en vie, restons en vie, restons en vie pour voir le même. C'est important. Prenez soin de vous. Pour les gens qui ont compris ce message, que le Créateur, les manes de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fait, l'envie. Prenez soin de vous. Et restons tous unis et compréhensifs. Tolérants pour ce qu'il faut, qui mérite la tolérance. Et intolérables pour ceux qui veulent vous cacher la vie. C'était maintenant.